bah, des pauvres gars ont demandé à CryAcme de relancer le serveur. Du coup, les adresses IP ont changé, les clés de chiffrement ont changé. Du coup, ces losers n'ont pas été capables de terminer le CTF et ils se sont dit, bah ouais, on va redémarrer le serveur, comme ça peut-être on arrivera à hacker. C'est sûrement les machines qui ont un problème. Quelle bande de losers. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Là, je repars de zéro. Du coup, je sais parfaitement comment attaquer la machine et on va voir comment on rebondit sur deux machines et on revient à notre attaque en pire en quoi? Moins de 20 minutes? Si, je sais un peu ce que je fais, ok? Et je sais exactement ce que je fais, j'ai tous les outils. On va juste changer, allez, deux, trois variables et c'est reparti, ok? On la vie te met des cas, elle va se prendre à rebondir, c'est pas un problème.